Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the streak, baby. Welcome back, people. SNB News. Je reviens de vacances. Thank you guys for l'épisode last week. Très bel épisode. No problem. On est back avec Frank. Mise au God. Ça va être un épisode short and sweet parce que tout vient à sa fin. C'est les séries éliminatoires pour la majorité des sports qu'on parle. Donc, on va faire on va commencer avec la NBA, après NHL, Champions League, puis un peu de la NFL. You know, il y a des petites mises à jour à faire. Premier sujet de la NBA, avant qu'on parle des games, on va parler avec les sujets. On va aller avec les Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies. Ooh, Lord! Donc, ils ont perdu contre les Lakers, mais on le sait. As it should, parce que ça veut dire que les Lakers étaient supérieurs. Et là, à cause de leur masse, ça faisait combien? En 5 games ou 6 games? Non, en 5? 5. En 5. Bref. Non, en 6. 4-2. À cause de leur défaite, Memphis Grizzlies essaient de chercher un bouc émissaire et ils l'ont trouvé. Ils ont dit que c'était la faute de Dylan Brooks et ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux en disant qu'il n'y a aucune chance qu'on re-signe Dylan Brooks. Donc la question c'est, est-ce que c'est vraiment Dylan Brooks? Est-ce que c'est vraiment la faute de Dylan Brooks que Memphis ont perdu? Oui ou non? Ok, non, ça c'est pas la faute de Dylan Brooks. Okay. Pourquoi ils ont perdu? Mais je pense pas qu'ils essaient de mettre Dylan Brooks comme bouc émissaire non plus. Tu penses pas? Non. Le gars parlait trop. C'est comme si les Grizzlies étaient rendus avec un... Au début, ils avaient une énergie de underdog, comme ils avaient peur de personne, puis ils s'étaient rendus comme trop... Comme, ils se filaient trop, genre. Puis Dylan Brooks, c'est le pire là-dedans. Comme, oui, Ja Morant, il se file, mais au moins lui, il est bon, genre. Ouais. Dylan Brooks, il parlait trop pour un gars qui parle de faire plus que 12 points. Mon chef, average combien? 7 points? Je sais pas combien il average. Draymond Green qui parle beaucoup, au moins il est capable de checker, il fait des assists, il fait des rebonds, puis il fait des defensive tasks, defensive player of the year. Yes. Dylan Brooks, il fait zéro de ces affaires-là. Absolument. Mais pourquoi les Grizzlies ont perdu? C'est vraiment parce que, bon, ils avaient pas de big. Ouais. Adams était blessé, Clark était blessé, mais ils sont vraiment pourris en half-court. Termine de jouer une game. Ouais. Half-court, les gars sont trash. T'as Ja Morant, t'as Bane, t'as JJJ. So, logiquement, t'as trois gars qui sont supposés être des stars. T'as un Defensive Player of the Year. T'as un gars qui était probablement Most Improved l'année passée en Bane. Ouais. So, pourquoi tu t'attends à ce que Dylan Brooks carry ta team? So, vous n'avez pas perdu parce que Dylan Brooks était poche. Ils ont perdu parce que vous étiez déjà poche. C'est tout, là. Ben, il était injured et poche. Ouais, injured et poche. Injured et poche. Non, parce qu'en half-court, yo, c'est les gars peuvent juste aller au panier, puis Eddie les a massacrés. Oh, 5 blocs par game, là. Easy, là. Tillman a show up une game, qui est ton troisième center, which... Ouais, mais tu peux pas demander à Tillman de... Non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, Steven Adams aurait aidé dans le paint beaucoup contre Eddie. Beaucoup. Mais... Defensively, là, puis rebond. Dylan Brooks t'a pas aidé, 100%. Je veux dire... Ça l'a light un fire dans LeBron James, que ce que Dylan Brooks a dit, 100%. Il l'a pas montré, mais c'est sûr que... C'est sûr. Tu te fais pas de disrespect comme ça par un nobody. Mm-hmm. Puis Dylan Brooks better learn Chinese, man. Oh! Non, il va être... Tu vas voir Asian? Il va être dans une team. Il va être dans une team playoff contender, bro. Après, qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, les rumeurs disent que son agent dit que Dylan Brooks veut plus être la quatrième option. Non, il veut top two option. Yo, il a intérêt à work sur son game parce que... Non. Mais, puis il a dit la raison pourquoi son game était trash, parce qu'on ne laissait pas prendre des décisions. Puis quand il shot, tout le monde roulait ses yeux, so il perdait confiance. Mais yo, that's on you, man. That's on you. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils boivent à Memphis, peut-être, le problème. Parce que l'ego à Memphis, il a gonflé depuis que Ja Morant est arrivé. C'est vrai. Mais je pense que... Il va être un type contender aussi, mais je pense qu'il va être off the bench. Ouais, bien off the bench. Ouais, est-ce que le partner a déjà pull-up un 30 points dans la ligue? Non. Bon. Je pense que ouais. Ouais? Ah, peut-être une fois. Ouais, déjà. C'est parce que c'est le genre de gars, il est audacieux, il va shoot. Quand Ja Morant n'est pas là, il va shoot. Je pense qu'il a déjà fait 30 points, mais il est possible pas bon. C'est pas un scoreur, là. C'est pas un second pick. C'est un gars qui est là, comme je veux même pas dire que c'est un full defensive player of the year, là. C'est juste un gars qui peut être devant toi, genre. Il reste comme... devant toi, puis il fait des fautes, puis il est physique, c'est tout. C'est même pas comme... C'est pas un all-defensive player, non, là. Non, mais c'est bully par LeBron. C'est ça. Puis, c'est un role-player, puis il reste dans ton lane. Il y a drink le Kool-Aid. Il y a drink le Kool-Aid.
Il pense qu'il est that shit. Puis, oh, non, tous les gars sont boudrés, les gars ont bu l'affaire due. Ben puis, ouais. Lui, c'est le pire, là, comme. Il y a extra sugar. Yo, c'est comme si. Extra sugar dans son cup. On était rendu au point que. Yo, on voit, tu vois, les gens qui rentrent, on voit le blond en train de rentrer et tout. Mm-hmm. On monte Dylan Brooks. T'es sérieux? Je suis supposé voir Jamorant ou Ben ou je sais pas. Pourquoi Dylan Brooks? C'est, les caméras sont sous Dylan Brooks avec son vieux swag, bro. Oh, man. Il est lettre en plus. Non. Comme pour de vrai, Dylan Brooks, comme. C'est comme si les médias étaient trop sur lui, puis ils pensaient qu'il était rendu une star, là. Comme non. C'était un role player, bro. Exact. Stay in your lane. Next subject. Bucks. Moi, je pense que. Giannis avait juste rentré dans le vif du sujet tout de suite. Mm. Giannis devrait s'excuser aux journalistes, mais le journaliste devrait aussi savoir à qui poser les bonnes questions. Pourquoi Giannis devrait s'excuser? Je vais t'expliquer pourquoi. Explique-moi pourquoi Giannis devrait s'excuser. So, la semaine passée, quand les Bucks ont perdu, ont été éliminés par Miami, le journaliste a posé une question à Giannis. Il a dit, est-ce que cette saison était un échec? Was it a failure? Giannis était tanné, il a dit, elle passait à poser la même question et a fait une comparaison en disant que quand tu as une promotion au travail, quand tu n'as pas de promotion au travail, est-ce que c'est un échec ou c'est une raison une expérience, un moment pour apprendre, pour t'améliorer? Ce qui était fax. Il a dit c'est vrai dans le sport, quand tu perds, tu regardes pourquoi tu as perdu et tu vas t'améliorer les années prochaines. Toutefois, le coach Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, s'est fait congédier avant d'avoir été éliminé. Donc, techniquement, la question aurait dû être posée à le coach. Il dit, est-ce que cette saison-là a été un échec? Et oui, la saison a été un échec parce que le gars s'est fait renvoyer. Non, la saison a été un échec. Mais tu sais pourquoi il s'est fait renvoyer? Parce qu'il ne s'est juste jamais ajusté. On a parlé de ça quand tu n'étais pas là. Bon, là, tu check 44 points une game. La game d'après, tu vas le double team ou comme double team. Tu l'as jamais double team. C'est vrai. Tu gagnes par double digit au quatrième quart, deux games, puis tu perds les deux games. Yo, ça, c'est. Oui, c'est la faute des joueurs, mais en même temps, tu vois que Butler est hot. Yo, dis au gars de double team. Tu vois l'idée, se fait bully par Butler, comme change de gars. T'as Crowder qui t'a amené dans la team pour jouer, tu le laisses sous le banc. C'est comme. C'est des affaires que, comme, yo, comme coach, là, un coach qui a gagné un championship. Tu dois savoir mettre les points, t'ajuster, puis il y a zéro fait ça. Puis le fait que Giannis était blessé, puis faut que Holiday puis Middleton step up. Puis ton game plan, on dirait que vrai, je t'ai pas aidé. Je peux même pas dire si Giannis dérangeait quand même. C'est vraiment... Mais il était blessé, il était pas à 100%. Ouais, mais je veux dire, à la fin, là, les gars gagnaient par 10 au 4e quart, blessé, pas blessé, là, c'est vraiment une affaire de, OK, les gars font un run timeout. Le gars il finit la game avec 3 timeouts dans ses poches. Tu penses que tu vas faire quoi avec? C'est du mismanagement de A à Z. Moi, ça veut dire que vous blâmez, donc vous dites que c'est pas à cause des joueurs, c'est tout. Non, c'est la faute de Mike. Les joueurs sont pour blâmer aussi parce que quand même, tu dois être capable. Tu peux pas prendre un comeback. Ouais. C'est ça. Exactement. Mais c'est vraiment, moi, je trouve que oui, il s'est mérité qu'il soit sous dehors parce que, yo, t'es un gars qui est déjà allé en finale puis tu fais zéro ajustement. Si tu regardes depuis, je pense depuis genre les derniers coachs là, qu'ils ont gagné le championship depuis peut-être, on va dire, 2013, même pas, avant que LeBron gagne avec Miami, là, tous les coachs ont gagné, à part Popovich, Steve Kerr ou Eric Spoelstra, ils sont tous fait foutre dehors après. Parce que, yo, c'est qui les coachs qui savent s'ajuster? Le coach des Heat, tu vois, n'importe quel squad qu'il a, il fait les playoffs. Parce que Steve Kerr, ben, lui, il y a les Warriors. Doc Rivers. Ah, donc, lui, c'est bien fait foutre dehors, là, quand il a pas gagné. Il a gagné une fois. C'est vrai. Puis Popovich, ben lui, c'est Popovich, c'est ça. So. Mais moi, pour de vrai, j'étais tellement fire, j'étais comme foutez-le dehors, ce chouette. Après les performances qu'ils ont eues, oui, tu le fous dehors, mais en même temps, faut que tu checkes ce qui est available comme coach live. Puis ils ont une bonne possibilité d'aller prendre deux. Ben, ils ont une possibilité entre un ou deux bons coachs live sur le market. Nick Nurse, puis l'ancien coach des Celtics. Ah, l'ancien coach des Celtics qui a signé avec Rockets. Nick Nurse, c'est garanti qu'il va là-bas. Il y avait déjà des plans pour Giannis. So, c'est sûr. Mon cher, il voulait faire une team comme ça. Mon cher, c'est vraiment ça. Toujours en train de dealer un contrat là. All right. Joel Embiid a gagné son premier MVP. Est-ce qu'il le méritait? Yeah. Ouais. Oui, malgré qu'il a chialé beaucoup, là, comme, mais oui, il méritait le MVP. Je vais pas dire que c'était still tight. Comme tu m'aurais dit Jokic encore, j'aurais pas été fâché. Mais ouais, Embiid méritait le MVP. OK.
Même chose que Nikki, c'était tight race between Jokic puis Embiid, puis ils l'ont donné à Embiid. OK. Le fait, moi, c'est LeBron James a eu aucun vote, puis il y a eu une grosse saison pareille pour les Lakers. Moi, ça, c'est fucked up. Moi, je pense que c'est une question de génération. Je pense que là, la génération plus jeune, les gens qui votent, là, qui sont plus là-dessus, selon moi, c'est une hypothèse, votent pour leurs joueurs de leur génération, leurs stars qui ont come up, Embiid, Joker, Jaron Rand. Anthony Edwards. LeBron a still average genre 28 points par game. Avec oui, non, LeBron mérite. Ah, mais quand LeBron faisait plein de points, il chassait le record, puis il savait qu'il allait pas aller faire les playoffs. Après ça, ils ont fait le trade, puis là, ils ont commencé à bien jouer parce qu'Anthony Davis a commencé à déranger. Puis LeBron a commencé à faire moins de points comme, ouais, parce qu'il a pris le back. Je suis juste en train de dire qu'il aurait pu avoir un vote pour une saison de average 29. Le gars qui aurait voté pour LeBron, c'est un fan de LeBron tout court. C'est comme je dis, c'est me and my boys. Ouais. Les plus jeunes sont pas tant sur LeBron que ça. C'est ça que j'ai pu comprendre. Les gens sont pas. Mais c'est des vieux qui votent. Je comprends, ah ouais? Mais ouais. C'est un vote sur genre, vous êtes combien à voter? Genre 90? Il n'y a pas eu une personne qui a dit, oh, LeBron James quand même a fait que les Lakers soient a playoff team. Moi, au moins un vote, t'aurais pu donner à LeBron James. Au moins. C'est un upset. It is. OK, là, il y a de la comédie à la NBA. Pat Bev dit que lui, Pat Beverly, dit que lui et Russell Westbrook veulent un ring si jamais Lakers deviennent champions. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que Pat Bev parle pour Westbrook depuis quand vous êtes partenaire. Je suis comme OK. Mais les gars, c'est audacieux. Premièrement, Pat Bev a rien changé dans la team. Il est arrivé, il n'a pas fait des gros moves défensifs. Il n'a pas fait aucun game winner. Il n'a pas lead aucune game pour gagner. Westbrook, un peu plus, parce qu'il y a eu 2-3 petites games où il y a, c'est grâce à lui qu'on a gagné. Mais assez pour avoir un ring, il est mêlé. Vraiment, il est mêlé. Puis moi, je pense qu'il est trollait. Juste troll, that's it. Non, moi, pour de vrai, je suis ces gars-là, je ne veux pas le ring, first of all. Mais non, les gars méritent zéro ring. Oublie comme ça. Rien, niet. Comme Westbrook, comme le fait qu'il soit plus là, ça a été un bien positif. Mm-hmm. Puis je sais que c'est pas nécessairement de sa faute parce que les Lakers l'utilisaient pas bien, mais yo, les gars auraient comme quand vous étiez dans la team, vous faisiez pas les playoffs. Exactement. So, où avez-vous aidé à aller en playoffs puis gagner un ring? Comme au moins j'aurais compris si vous étiez comme number 3 puis on vous a trade. OK. Mais quand ils ont fini 8e, c'était fucking 11e quand vous a trade. Non, vous méritez rien. En les retirant, Reeves a pu grow up. Yo, rien. Les gars, Hachimura, step up. Tu comprends? Je sais qu'ils donnent le ring aux gars qui étaient dans la team quand même, mais non. Non. Comme pour le reste, c'est un ring. Yo. À part si les gars savent que c'est leur seule façon d'en avoir un de leur carrière. Moi, je pense que oui. Même là, je ne voudrais pas. Même là, oui. Ok. Toi, t'en penses quoi? Pat Bev, c'est un autre Dylan Brooks. Un petit peu meilleur défensivement. Ben, je préfère Pat Bev. Bro. Ben oui, c'est sûr. Pat Bev sait qu'il est pas bon. Il sait c'est quoi son rôle. Son rôle, c'est défensif et rentrant ta tête. Ouais, c'est ça, il sait. Ah, il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Exactement. Ouais. Mais c'est un autre Dylan Brooks. Ouais, absolument. Enfin, NBA recap de ce qui s'est passé dernièrement. Moi, je commence avec ma team. Mon boy. Lakers contre... Il sait, all day. Non. LeBron James. So, Lakers contre... my God, j'ai un blanc. Warriors. Warriors. On gagnait la première game. Mm-hmm. Right? Très tight, très serré, grosse game jusqu'à la fin. Mais ils ont come up avec un W. Deuxième game, par contre, les Lakers ont fait smack par plus de 30 points. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait la différence entre la première et la deuxième? Frank, tu veux commencer? Ben, le shooting... Okay. Le shooting des Lakers a juste pas été là hier. Mm-hmm. Avant hier. Il était pas là, bro. T'as vu, AD a fait une grosse performance first game. Deuxième game, ghost, comme d'habitude. Mm-hmm. AD est vraiment pas consistant. So, moi, je mets tout le blâme sur la consistance des Lakers qui n'était pas là. Les Lakers étaient juste pas hungry. Ils ont gagné la première game. Mm-hmm. Ils étaient plus rested, les Warriors sortaient de Game 7, puis ils ont eu une journée, puis c'était juste, tu passais de Sacramento, une team qui court beaucoup, à une team qui est comme bon défensivement, puis qui est comme plus low pace dans les Lakers, mm-hmm. comme fallait s'ajuster, puis malgré ça, la game a été tight. La deuxième game, les Lakers ont vu qu'ils ont déjà gagné une game away, ils sont comme, OK, on a fait notre job, ouais. On va aller home, puis ils pensent qu'ils vont aller gagner leurs deux games home, comme ça va être 3-1. Ouais. Les gars sont juste pas venus jouer. Eddie,
complete no show. Si vous regardez, même dans les playoffs contre Memphis, chaque game, une game il bombe, une game il bombe pas, une game il bombe, une game il bombe pas. Les Warriors, c'est une team qui sait s'ajuster. Ils ont vu qu'AD, il restait trop dans le paint. Ils ont mis un big. Ils ont mis un big qui peut shooter la 3 points pour le sortir. Puis ça a fait comme a libéré, toute la différence. Toute la différence. Ça a libéré le centre au complet. Au complet. So, moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont perdu. Je pense même pas que c'est à cause que les Warriors ont été tellement sous ça de la 3 points. Je pense que c'est vraiment que les Lakers n'étaient pas hungry pour partir de là avec 2-0. Puis l'ajustement fait par Steve Kerr a porté fruit. Ouais. Moi aussi, je me dis aussi que je trouvais que les Lakers, ça rend dans l'angriness. Ils ont été, comparé à la première game, ils ont été au throw-in genre 28 fois la première game. Là, cette game-là, ils ont été 17 fois. Dans les 28 fois, ils ont rentré 26. Je pense même, je peux dire n'importe quoi dans les 20. Ouais. La première game, ils ont rentré comme 10. Donc, tu vois que déjà, le foul trouble de la première game que les Warriors avaient, ils l'avaient pu. Sur les gars comme Clay, Steph, Green, tous les key players pouvaient rester toute la game sur le terrain sans avoir de problème de foul. Et puis tu libères le milieu, ça veut dire que non seulement les gars sont là toute la game, ils sont fresh, ils sont ajustés. Puis c'est ça. Donc en gros, pour moi, pour la troisième game, ce que je voudrais ajouter, c'est juste il faut que les gars soient hungry puis les ramènent dans les foul troubles. C'est pas les gars, c'est Eddie. Eddie, c'est vrai. Eddie, parce que la team est à son meilleur quand Eddie bon. C'est vrai. Puis si Eddie bombe pas. Comme LeBron, comme oui, LeBron, c'est GOAT, un des GOAT. Mais même si LeBron est le leading scorer de la team, t'es dans problème. Comme ça veut dire, la game se passe pas bien, genre. Faut que ce soit Eddie, c'est lui qui doit set le tone. Les Warriors sont small, il doit abuser. Comme son 30 points, 23 rebonds. Je m'attends pas qu'il fasse 23 rebonds, mais il devrait être capable de faire comme 30 points. 12 rebonds, easy, là. C'est over, il faut qu'il fasse un double-double tout de suite. Yo, tu peux pas venir me faire un 11.7 rebonds, là. Looney, t'as up rebound off the bench. Yo, 19 minutes. Yo. Il y a up rebound, Eddie. Je dis, pour le reste, tu veux blâmer quelqu'un, c'est bien Eddie. So, je m'attends à ce qu'aujourd'hui, parce que c'est sûr, ces gars-là, ils écoutent les news, là. Ouais. Tout le monde les a 10. Mais tout le monde l'a 10. Il va venir jouer. Puis anyway, c'est son bounce back game. Il devrait faire un autre 30 points. La game d'après, il va être trash. Ouais, c'est ça. So, game 4. Game 4, c'est là, je vais le mettre on the spot parce que, yo, tu dois partir de là 3-1. Si vous avez fait le TT, vous avez fait la game 2, parce que vous pensez que vous pouvez gagner les deux games. Exactement. Comme si ça finit 2-2, vous êtes dans le problème. Si c'est 2-2, ils ont perdu. Moi, s'ils sont 2-2, ça va être un upset s'ils gagnent à Golden State. Un upset. Ben oui, c'est un upset. En tout cas, moi, je veux juste dire, moi, tout ce que je veux de LeBron, moi, je veux que LeBron va au panier, qu'il fasse seulement 10-14 points, je veux qu'il parle trouble tous les gars. Il n'y a aucune raison pourquoi tu fais encore des... Je veux que LeBron arrête de shooter des 3 points. Je veux qu'il drive puis qu'il est pas trouble. Oh, parce que je te dis, si Steph et Clay jouent 40 minutes, on n'a rien de bon. Le problème, c'est que si Steph et Clay doivent jouer 40 minutes, ils vont jouer 40 minutes. Si Eddie joue 40 minutes, il va se blesser. Exactement. Mais s'il va faire trouble, Eddie prend un break. Tu comprends? Anyway. Next game, Miami, New York. Bon, là, c'est 1-1. Butler est encore blessé ou il revient aujourd'hui? Yo, Butler a pris un rest, bro. Comme, il aurait pu jouer. C'est 100% un rest, Butler. Il a fini d'upset. Tu vois, les Cubs auraient pu faire ça aussi. Ils ont fini de gagner la première game away. Ils ont dit, oh shit, ok, on va gagner nos deux games home. So, il n'a pas joué là. Il y a eu un bobo, il n'a pas joué. Mais si. T'as quand même clairement vu que Sprint Swing Coach. Ouais, quand même un bobo. Ouais. Mais je veux dire, si il avait joué, si il avait perdu, je te garantis, il aurait été là. Comme. Le gars dit, ok, j'ai une game en banque, je vais la prendre. Moi, je pourrais, je suis du business, si tu peux jouer, joue. Si tu peux pas jouer, je joue pas. Ouais, je veux dire, Si t'as une game en banque, que tu penses que tu vas gagner la série nécessairement, là. Check. Moi, premièrement, c'est pas comme Eddie. Jimmy Buckets, tu le sais que même s'il joue pas, puis il prend un rest, la game d'après qu'il va jouer, tu sais qu'il va perform. Eddie, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir avec Eddie. So, moi, je donne un rest à Jimmy. On a déjà pogné une game away. So, on est bon. On est bon. Tu vas revenir à Chicago. Comme ça se peut déjà qu'il soit à Chicago. Lui est en train de chiller à Chicago depuis que c'est plus que Spring Swing Call. Tu es à New York. Là, ils vont à Miami.
C'est ça. Ouais. Lui, il est home. Il est déjà home depuis game 1. Après la game 1, il a eu le temps de relaxer sa cheville. Il était là à la game 2. Il était sous le banc. Il était avec la team. Mais après la game, il a déjà bougé. T'as raison. Il n'est pas resté là. Il a déjà bougé. Donc, moi, je donne un rest. Tu vas aller home. Puis, sans Jimmy Buckets, puis ils ont joué comme juste 6 ou 7 gars. Là. Ils ont joué comme juste. Ils ont failli gagner. C'est vrai. So, donne un rest à Jimmy. Tu retournes home. Smackler les twice, ça devient 3-1. Puis après, il faut juste prendre une game à New York. Mais Jimmy aurait été là, ça aurait été 2-0. Exactement. Puis là, je l'aurais rest home parce que les joueurs, les role players jouent mieux home que away. Yeah, mais t'as still une autre série après si tu gagnes. Puis après, t'as still une autre série après ça. So, donne un rest à Jimmy, bien mérité, parce qu'il a battu les Bucks. Oh, oui, 50 points. So, ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Donne-y un petit rest bien mérité, puis we go again. Est-ce que tu penses que là, ça veut dire que si on fait pour vous, on va voir ça après, qui va gagner? André, vous parlez plus de Miami que les New York. Pourquoi c'est pour New York? New York a une team, là. Je sais, mais... New York a une team. Mais la façon que je les vois jouer, ils struggle avec Miami sans Butler et tout, là. Ils sont still young, ils ont plein de choses à apprendre. Brunson, Barrett, Randall. Moi, c'est Randall qui me fait peur. Sur Randall, je trouvais qu'il y avait plus d'expérience. J'aurais cru qu'il y aurait plus, c'était pas plus. Mais c'est vraiment Brunson qui est en train de... Ah, Brunson, la team. Lead. Ouais, non, c'est Brunson, c'est le gars de la team. Parce que moi, cette série-là, je pense que c'est Miami qui gagne, mais Miami gagnerait genre 7, peut-être 4-2, mais pas comme. Je pense pas que Miami va juste les péter, là. Okay. Je trouve que Bam, Randall, comme c'est équivalent, comme ça se neutralise. Neutralise, ok, je comprends. So, Randall, tu vas moins le voir parce que Bam peut défendre ce gars-là. Mais mettons, il jouerait contre Eddie, qui est beaucoup plus gros que Randall, ça serait différent, comme un big là, comme un vrai big comme c'est différent pour Bam, mais vu que c'est Randall, il est un petit peu plus small, il peut plus le gérer. Les games d'hier, il y avait eu Boston contre 76ers. Surtout cette saison là, cette série, Boston va take all the way, parce que là on l'a vu hier, Embiid est pas 100%, Harden fait n'importe quoi sur le terrain. No show. Comme, il fait n'importe quoi. Il gâche 45 points quand Embiid n'est pas là. Embiid dit, qu'est-ce que je reviens, on est bon, le panneau joue plus. Quelqu'un joue plus, il hésite, il ne sait pas si de faire la passe à Embiid, si doit être K4. Il y a drive. Ah, il y avait un layup facile. Il fait une passe. Qu'est-ce que tu fais? Il hésite. Mais ça, c'est votre three-point ball game. Là. Vous live by the three. Non, mais parce que back then, Harden, il te massacrait parce qu'il allait au pain. Il était un bon finisher, il faisait pocket and one. C'était three or layup. Maintenant, c'est three or nothing. Comme... même quand il doit passer le ballon, il dribble. Mais on dirait qu'il ne peut pas prendre une décision. Yo, fais le jeu. On dirait qu'ils n'ont pas de jeu. On dirait que les 76ers n'ont pas de game plan. Le game plan, c'est donner le ballon à Embiid dans le poste. moi, c'est les Boston sont juste trop deep. Les gars, hier, ils avaient comme 6 joueurs avec comme 15 points. Jalen Brown, il a fait 21. Tatum a eu 26. Mais ils n'ont pas bien joué, là. Puis still, ils ont juste contrôlé la game all the way. C'est dégueulasse. C'est ça. Dégueulasse. Puis vraiment, Embiid, il est là sur le terrain. Les Celtics, ils savent qu'Embiid va checker 30 points. Mm-hmm. Eux, dans leur tête, on a juste à shot down les autres. Ouais. Puis, à DN, si Harden vient pas step up, Tobias Harris vient pas step up, Maxi vient pas step up. Puis, qu'est-ce qu'il faut hier? Melton, puis Niang, je pense à eux deux, on fait 28 points off the bench. 24 points, ouais. Ouais, c'est Tobias so, Harris. Ton bench est venu jouer. Puis, comme tu t'es style, fait dominer pas mal toute la game. Moi, je pense que les Celtics veulent run parce qu'ils savent que Embiid est. Parce que là, il y a un breeze. Ouais. Il peut pas vraiment courir comme les full court. So, il joue des positions quand même assez vite. Puis Embiid est venu, il a dit comme je suis pas à 100%. Puis je pense qu'il aurait pas dû dire ça. Il n'a pas dû dire ça. Les gars le savent. Ouais. Les gars vont monter sur toi et vont même après avoir gagné la première game, je pense que j'aurais pas joué Embiid la deuxième. J'aurais donné le plus de temps possible. Puis à la fin c'est style 1-1, maintenant c'est 2-1. So, il aurait joué game 3 puis tu aurais pu avoir une chance. Les Celtics devraient finir avec la série. Real quick. Yo, j'ai peur de dire en 5 là, mais. Ouais, en 5. Tu peux le dire. Non mais. Puis même Maxi touche pas le ballon. Non, mais quand Embiid est là, les gars sont tellement focus sur Embiid. C'est fou, man. Puis après ça, c'est Harden qui décide, vu que Maxi, c'est pas le point guard. Il doit forcer ses shots. T'as vu que quand Embiid était pas là, Maxi a dérangé, là. Justement. Mais bon, non. Maxi, maintenant drive au panier, les gars n'ont pas le speed. Aucun joueur défensivement
a le speed pour match maxi. Smart, ouais, qui est leur meilleur joueur défensif. Il y a aucun. Il se fait outspeed. Moi, j'aurais vu ça. J'aurais commencé à faire des plays pour maxi. Comment tu me dis, il y a un mismatch, mais on ne l'utilise pas. On est rendu au moment de l'année où ce que... Mais bref, c'est Harden. Harden choke every year, il ne vient pas jouer. C'est all on him. Ouais, c'est comme j'allais dire, on est rendu au moment où ce que les Sixers, quand Embiid se blesse, il n'y a personne qui step up, c'est là qu'il choke. Comme à chaque année, il toujours blessé. Exact. C'est triste. Next game, que moi, pour moi, c'est la série la plus intéressante avec les Lakers Warriors. Denver et Phoenix. Nuggets versus Suns. Là, c'était 2-0 jusqu'à hier. Là, c'est rendu 2-1. Très déçu de la part des Suns, même s'ils ont gagné. Ouais. Très déçu de la part des Suns parce que je trouve que les Suns ne jouent pas très bien. Et là, ma question à travers ça, parce qu'on va faire un recap en même temps, est-ce que c'est parce que Chris Paul n'est pas là? Donc, il était là les deux premières. Ben, je me dis, c'est comme... Ils ont perdu. Qu'est-ce qui fait en sorte que je trouve que l'équipe est pas vraiment... Il n'y a pas de stratégie encore. Une autre équipe qui n'a pas de stratégie. J'ai regardé la game hier. C'est Booker qui garde ballon jusqu'à la sixième seconde. S'il ne peut pas shot, et qu'il garde tout KD. KD fait une shot bizarre. Les gars, ils ont pas de... Un, ils ont pas de bench. Ils ont pas de bench pour eux qui peuvent faire quelque chose. So, ils roulent à... Faudrait qu'ils roulent à deux. OK? Même que ça avec Chris Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu de points. Ethan, c'est... J'avais call que ça allait être le problème de la série. Tu vas aller nulle part avec Ethan comme center. C'est triste. Hier, je pense qu'il a fait... Les gars ont gagné. Ethan a fait, je pense, 6.9 rebonds. Ouais, c'est 7 points, 0... Il a fait 4 points, 9 rebonds. Bon, c'est ça. No show. Puis quand les gens sont venus lui dire... Parce que je sais pas si vous avez vu le clip où... KD est en train de se battre pour prendre des rebonds contre lui. Que tu peux lui en dessous du paint, puis il faut rien. Ouais. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pouvais faire rendu là? Je suis comme, yo, comme, fais juste rentrer dans le terrain, essaie de pousser. Joker, on veut voir faire quelque chose. Lui, il essaie de se défendre comme s'il pouvait rien faire sur ce jeu-là. Et, comme, pour moi, c'est vraiment. Moi, je pense que la série finit en 5. Mm-hmm. Je me disais que Suns allait gagner parce qu'ils allaient pas comme, partir comme des punks. C'est ça. Ils sont venus. Yo, les gars ont dû faire. Pourquoi? Les deux ont checké 40 points presque. Ouais. Ils ont gagné par 6. 39 KD, 47 Booker. Ils ont gagné par 7. Par 7. Les gars, là, c'est deux bonnes games des deux joueurs clés. C'est ça. T'as eu besoin que tes deux joueurs ensemble fassent comme... Toutes les points de la 100 game. Points. Yo. 100 points. Bro, non. Comme les Nuggets sont juste à gagner une game home. Oh oui. Là, ça va être 3-1. Puis ils vont vous battre home. C'est sûr. Vous devrez... Si ça va en 6, tant mieux. Mais moi, je force Nuggets juste parce que... Le problème, c'est Ethan. Ethan, puis le fait qu'il n'y a pas de bench. Ouais. C'est la même chose que Nicky. Moi, Nuggets sont plus deep. Si Booker puis KD ne viennent pas faire 50 points, c'est done. C'est triste, puis je trouve parce que... Le pire, c'est que je trouve même pas que les Nuggets sont deep. C'est ça, ils sont plus deep que les Suns. Ils ont Joker, ils Jamal. Ont Jamal, et puis votre boy Paul MPJ, ils ont Aaron Gordon. Ah, mais c'est tous des gars qui peuvent te donner 12 points. 12 points, c'est déjà mieux qu'un gars qui te donne 4 points. C'est vrai. Vraiment, t'as raison. Et OK, je peux te le donner aussi 47, là, comme Booker fait. Là. Yeah, Chica, 30 points, 17 rebonds, 17 assists. C'est ça que je t'ai dit. Ouais. Yeah, malheureusement, t'as raison, ils sont plus deep. Mais... Ils sont plus deep. Non, mais le bench, je parle du bench, non, là. Il n'y a personne. Beaucoup, il n'y a personne. Il y a juste Bruce Brown qui est clutch quand même. Mais... Tes role players à Nuggets font qu'ils ont à faire. C'est vrai. 10 points. Là, c'est tough. Mais encore une fois, moi je dis qu'il faut que tu changes la stratégie. Ça peut pas toujours être Booker. Tu as donné le ballon à qui? Curry Crack. Non, tu peux. Non, mais on parle de choses sérieuses. Tu as donné le ballon à Ethan? Oui, on va être sérieux. On peut faire un setup pour Ethan. Ethan a eu des bonnes saisons. Quand on lui donnait le ballon dans les mains. Please. Il joue contre Jokic. C'est pourquoi on lui donne plus le ballon? Parce qu'ils ont vu que ça sert à rien. Puis parce qu'il joue contre Jokic. Facts. Payne est pas mauvais. Ouais, il a joué, mais... Il a eu 7 points. Mais il joue pas bien. 7 points? Il a eu 7 points parce qu'il n'y a pas le ballon. Il a fait 6 à 6. Il joue juste pas bien. Les gars ont dit, OK, on a 2 super scorers. Allez nous gagner cette game. Yeah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais en tout cas, anyway, moi, I believe at some point que le basket, c'est plus que 2 joueurs. Yo, c'est du Kyrie Doncic. Yo, LeBron l'a fait pour comme la... Le 3-4 de sa saison carry by himself. So, un joueur peut faire l'affaire, OK? Un joueur peut gagner une ou deux games tout seul.
All right. So, on a dit, enfin, Rika, on a dit Denver en 5, Boston en 5, Warriors Lakers à date. Avec son dossier 1-1. Moi, je prends Warriors. Prochain game? Prochaine game ou la série? Moi, je parle la série. Série, voilà. Ouais. On va redire. Je prends les Warriors. Pour le reste, Lakers gagne cette game. Warriors, je pense, à cause de la façon AD joue, ça devrait être 2-2 après 4. Et après ça, c'est là le game ball. So, tu sais, c'est fou, j'ai vu une stat qui dit LeBron, quand il est en playoff, ouais, il va toujours en finale. Il n'a jamais été éliminé avant de se rendre en finale. Même chose pour les Warriors. So, on a un problème. Ce jeu-là, avec la série va en 7. La série va en 7. Puis j'allais avec la team que je préfère. So, j'allais avec les Warriors. Moi, j'allais avec Lakers, of course. Lakers. Et puis Miami, Knicks. Vous avez dit Miami, vous Miami. Deux. Yeah. J'ai goût de faire un upset. Je veux dire Knicks. Juste pour le upset. Tu peux dire Knicks, t'as le droit. Ouais. All right. Mais tu vas avec les coachs qui sont pas fait foot dehors après avoir gagné des chips. Je comprends. OK, NHL recap. Là, les Panthers mènent 2-0 la série contre Maple Leafs. Est-ce qu'on parle d'un sweep? Un sweep qui s'en vient? Non. Gentleman sweep, donc 5. Yeah, ouais, 4-1. Moi, je l'ai dit, don't sleep on the Panthers, mon gars. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont come back 3-1 contre Boston. Ils se sont réveillés et c'est fini, là. Ils jouent contre Toronto puis ils sont 2-0 up. Moi, j'ai... All the way. GG. Good game. Que ça soit en 4 ou en 5 ou en 6, je m'en fous, c'est les Panthers qui gagnent la série. Yep. Est-ce que tu penses après ça, il va y avoir un nettoyage à Maple Leaf? Qui pose 6 fois nettoyé. Ça fait 3 ans de suite, hein, qui choke. Ils ont gagné une série. Si on revient à ce que Janice a dit, ils ont gagné leur première. Ça, c'est un win. Depuis 20 ans. C'est not a failure. That's not a failure. That's an achievement. Ok. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont calés parce qu'ils ont fini de gagner. Les gars, ils ont gagné la coupe, sont contents. Parade de la ville, man. De Toronto. Toronto, man. C'est fou, là. C'est à quel point tu sais que c'est des losers, bro. Tu fais juste gagner une game around, puis. Oh oui, turn up. My guy, we don't like Toronto, man. New Jersey contre Caroline, Hurricanes, Devils. Je pense pas que ça va être un sweep, mais Caroline va gagner. Puis ils ont beaucoup de blessés, puis ils sont still 2-0 up. Je garde mon New Jersey. OK. En 7. OK. En 7. All right. Moi, je vais aller avec Caroline aussi. Je trouve que Caroline joue très bien. New Jersey, il choke. Ils ont smack 6-1 puis ils ont 3 de leurs meilleurs marqueurs blessés. Ils sont dominés, mais t'es choqué là. New Jersey est revenu contre Rangers. They can do it again. 5-1, 6-1. En tout cas, regarde, si tu believe, moi believe, je trouve believe, que moi c'est dead. C'est dead, moi aussi. Tu vois quoi, je parce que la même chose est arrivée contre Rangers. J'avais New Jersey, là j'ai vu New Rangers gagner 2-0, j'ai dit ok, non, c'est dead. Ils sont revenus, effectivement, ils ont gagné 2 games away. Ça, c'était pire parce qu'ils avaient déjà perdu leurs 2 games home. Ils ont gagné les 2 games away, puis ils sont allés en 7. Là, ils ont perdu away. Ils peuvent gagner home. Non, je vais aller avec... faut juste qu'ils réussissent à mettre la puck dans le but. Parce qu'à date, ils se font shut down. Oh. Mais je pense que s'ils marquent, ça va débloquer. Yeah. L'autre, Edmonton, Oilers versus Las Vegas, Golden Knights. Moi, c'est la série, j'ai pas vraiment regardé. C'est 1-0. Bah, c'est elle qui est trop tard pour moi. 1-0. Là, je pense... C'est mis comme une tête 4-6 à finir, première game. C'était pas tête, pas en tout. Si c'était pas pour Draisaitl, ça aurait pu finir 6-2. Ouais, je vais aller avec Vegas, pour d'ailleurs. Moi, I believe que c'est l'année de mon boy. Chaque année, tu dis ça. Chaque année! ils ont pas de goleux, bro. Ils ont pas de goleux. Non, mais le gars, écoutez, guys, il faut qu'il y ait une cop. Il peut pas être le joueur qui a le plus de talent qu'on a vu depuis des années. Là. Tu veux mon hot take? Vas-y. Il gagnera pas une coupe à Edmonton. Oh my god, ce serait affreux. Il doit bouger s'il veut gagner une coupe. Ce serait affreux parce que, let's be clear, là on va débattre. Talent là, McDavid, la manière qu'il patine, la manière qu'il contrôle la puck, la manière qu'il joue, en tant que joueur individuel, c'est le joueur le plus talentueux qu'on a vu depuis Crosby. Crosby, d'après moi, personnellement, je préfère Crosby. Crosby, en tant que joueur d'hockey, I guess. Le IQ de Crosby. IQ était plus élevé que McDavid. McDavid est électrisant. Électrisant, il patine, il va faire des moves qu'aucun autre joueur peut faire. Il mérite une coupe.
Non, je te dis pas qu'il mérite pas une coupe. Je te dis juste qu'il aura pas Edmonton. Ouais, je vais pas dire mérite une coupe. Mérite une coupe, mon cher. Non, comme. Que pour non. Moi, c'est comme si on disait aux gens, t'as pas besoin d'être aussi bon pour gagner une coupe. Non, tu vois, au hockey, on va dire au basket, je peux dire un joueur mérite une coupe parce que vraiment un joueur peut changer la game. Peut changer la franchise. Un joueur peut changer la NBA. Check LeBron. Check Curry. Mm-hmm. Un joueur peut tout changer là. Ouais. Au hockey, bro, m'en fous, tu fais comme 150 points, bro. Si t'as pas de gardien puis ta team veut pas jouer, vous êtes pas bon en défense, t'as un vieux coach, il faut beaucoup plus que un joueur là pour gagner. Je veux pas dire qu'il mérite de gagner parce qu'il y a rien chaud à en playoff vraiment. Pour l'instant, non. Pour l'instant. C'est dry shadow. Je veux pas dire que ça va jamais arriver à Edmonton. But, je veux pas dire qu'il mérite, puis je veux pas dire qu'il va gagner parce que le gars fait des fous stats en saison. Là. Regarde, dans Toronto, tu pourrais dire la même chose. Là. Les gars, ils dérangent la saison. Est-ce qu'ils méritent? Non. Moi, non, le moment que tu as eu besoin de Crosby, marque des buts, puis fasse des points en playoff, tu as vu qu'il est capable de le faire avec Malkin, avec le temps. T'as vu combien de temps ça a pris à Ovechkin? Ah. Ouais, c'est mais vrai. Ovechkin n'avait pas l'équipe que les Pingouins avaient. Non, je sais, mais je veux dire, à un moment donné, il y avait des bonnes teams, puis il gagnait-il pas, là. So. Ça okay. Peut prendre longtemps, moi. Ça peut prendre longtemps, vous devrez. Moi, je dis quand même Oilers. Toi? Oh, moi, j'ai dit Vegas. Vegas? Moi, j'ai dit Vegas. Okay. Moi, je suis dans avec l'expansion team. Moi, je connais le script de Gary Batman, puis c'est pas une équipe canadienne qui va gagner la coupe. Waouh! Ouais, ouais, c'est triste, mais c'est fax. En ce moment, on a seulement deux teams. So, yeah, c'est peut-être fax. Dallas et Kraken. Seattle versus. Ça, c'est la série la plus intéressante. Ça, ça s'en va en 7. Moi, c'est ma team qui, je pense, qui va aller en finale là-dedans. Dallas. Okay. La première game, je pense que c'était c'est une affaire de pace. Ils ont joué contre Minnesota. Mm-hmm. Minnesota, ils sont pas aussi rapides que Seattle. Puis je pense le changement de série les a pris genre par surprise. Mais la deuxième game, ils ont marqué en premier. Ils ont joué leur defense comme Pavelski et Bean Hot. Je pense qu'il y a 4-5 buts en deux games. Mm-hmm. Moi, c'est la team que je all the way Dallas. Je dis pas qu'ils gagnent, mais Dallas en finale. Moi, c'est l'inverse. Seattle. Le script à Gary Batman, c'est les expansion teams. Les deux comptent? Les deux comptent. Les deux expansion teams comptent en finale de l'Ouest. Puis, peut-être Kraken serait capable de battre Vegas. Ils se rendent en finale leur deuxième année. Yo, ils se rendent en finale, ils peuvent battre Vegas. Bro. OK. Yo, le script est écrit, man. Seattle. C'est deux grosses teams, c'est un difficile choix, mais je vais aller avec les Dallas aussi. Je pense que Dallas joue très bien. J'ai checké une game, la game qu'ils ont gagnée. C'est une belle game, c'est tight, mais c'est une belle game. En OT. Yo, la première game, Boudreau, ils gagnaient 2-1. Puis tout d'un coup, c'est genre 4-2. Real quick. Ils ont comeback. Ils ont comeback sur la longue OT, ils ont perdu en OT. Ils ont juste été comme. Boudreau, ils ont été saisis. Je pense vraiment que la première game, c'est une aberration. Mais là, ils sont adaptés. Ouais, ouais. Puis là, ils vont. Ça, ils ont perdu, mais je dis, ouais, je pense que la game était à Dallas pour moi. Ouais, Dallas sont revenus. Non, non, là, c'est Seattle a volé une game là. C'est ça. Mais je pense que Dallas peut revoler la game real quick. Ouais. Donc, ouais, Dallas. Then, bon, un tout pour la NHL, avez-vous d'autres choses? Non. No. Champions League, people, don't sleep on Champions League. Il y a un petit break, now we're back. Mardi. All right, mardi, Spenty, take it over. Ben avant la Champions League, juste shout out Napoli, ils ont gagné le Scudetto, so c'est eux les champions de la Serie A. C'était bien confirmé, mais là c'est 100%, ça a été c'est mathématiquement fait. City qui a battu Arsenal la semaine passée. Oui. My bad pour le choke. We called it. Maintenant ils sont 4 points d'avance sur Arsenal. Ouais. Ça va être dur de rattraper. Ça va être. On va juste prendre notre win pour aller en Champions League. Yeah. Ouais. Vous avez eu une belle saison. Merci. Vous avez fini deuxième. Apprécie. Vous allez en Champions League l'année prochaine, which is a very good achievement. Mais maintenant, Man City, 4 points ahead, peuvent se concentrer sur la Champions League. Vous jouez, ben vous, pas tout vous, mais ils jouent Real Madrid. D'accord, de Wagen. Vous jouez, oui. Vous jouez contre Real Madrid, which is the champions. Yes. Qu'est-ce que tu penses, Nicky? Moi, ça va être tight, mais je pense que Real Madrid gagne cette game-là. Moi, on m'a dit, dans ce podcast l'année passée, champion mentality. Il joue à Madrid, first game. Dès que Madrid se rend là, c'est terminé. Allen, pas Allen.
win, pas win, puis whatever. Madrid, take it, va gagner. Les deux sont en très bonne streak. Ils ont gagné toutes leurs 5 dernières games. So, ça va être un gros contest. Je pense pas que ça va être si offensif que ça, parce que Madrid sont pas stupides d'ouvrir le jeu à Man City. Mais ça va être une grosse game. Moi, je... Ouais, cette game-là, c'est... Faut que tu manages la game. Pour la City, pour gagner, ils vont devoir gagner home. La game home, c'est celle-là qui est la plus importante. Je pense que Madrid est capable de win cette game-là, tie, ou même un draw. Mais je veux pas dire City parce que c'est been des jokers. Comme, je continue à dire contre City jusqu'à quand qu'il gagne. Jusqu'à quand qu'il gagne une Champions League. Jusqu'à quand qu'il gagne, bro. Benzema s'est fait rest. Ça fait longtemps qu'il se fait rest pour ça. Pour la Champions League. Yeah. Moi, je vois un draw. Je vois un draw genre 1-1 ou 2-1. 3-1. Madrid. 3-1 Madrid. Madrid. Gros call. Non. Ouais. Non, pas 3-1 Madrid. Yeah, comme ça. Non, il y a 3-1 Madrid, c'est fini, mais c'est... Je te dis que c'est fini. Non, 3-1, c'est pas fini. Je te dis que c'est fini. 3-1, c'est pas fini pour Man City. Non, il y a 3-1, il y a aussi... Non, c'est dead. Tu peux facilement gagner 2-0 à Man City. Non. C'est vrai, mais moi, j'ai 3-1. Yo, Madrid avec le lead, c'est non. C'est Madrid perd. Puis après, ils se font comeback. Ouais, c'est Madrid gagne la première game par 2 buts, bro. T'es dans problème pour la deuxième. C'est ça, City. Non, c'est pas ça, City. City pourrait gagner puis choke la deuxième. Ouais. Ça fait plus de sauce. Ça fait plus de sauce, ça. Moi aussi. Les dernières fois qu'on a eu ces games-là, ça finit genre en aggregate, ça finit genre 6-5 puis 5-4. Genre. Je vais aller avec City Gang, juste à cause comment ils ont fini. L'année passée, ils se sont fait éliminer par le comeback. C'est cette game-là, ils vont not take care cette game-là. Puis là, on va voir comment ils vont réagir la game d'après. Je vais aller avec City Gang, mais genre par un but. Okay. We will see. Depuis que Pep a changé de tactique, ça, Man City sont... Ah, ils changent toujours de tactique. Been hot. Toujours des nouvelles tactiques. Yeah. Keep it simple, man. Alright, next game. Deuxième game, c'est le derby d'Italia. Ben, le derby de Milan. Milan, yeah. Yeah. Les deux Milan qui jouent contre, Inter et AC, à San Siro, ça va être absolument insane. Malade. Champions League semi-final entre Milan. Les deux teams, je veux pas dire, les deux teams sont en un hot streak, parce qu'ils ont eu des draws, ils ont eu des losses, qu'ils auraient jamais dû perdre. Mais, ça va pas pire. Inter s'est remis un petit peu le poil de la bête, so j'ai comme un peu peur de Inter, mais AC Milan c'était pas poussé. So j'ai hâte de voir cette game là, mon gars. Tout va dépendre de l'aile gauche de AC Milan, si Leao puis Théo Hernandez peuvent step up au gros moment. Moi je vais avec AC Milan, de l'équipe que je préfère des deux. Y a pas de logique à mon affaire, là. C'est Milan contre Milan. Il y aura plein de fautes. Goumet dans le stade. Oh, c'est dégueulasse. Mais je vais aller avec mon équipe, l'équipe que je préfère, les deux. Je vais aller avec AC Milan. Moi aussi, j'adore AC Milan. C'est des tags. Donc. aussi, pour de vrai, je pense, je suis pas dedans avec ni Lukaku, ni Lautaro. So. Ou Tseko. Il y a des gars que j'aime pas dans l'Inter. C'est pour ça aussi. Je comprends. Beau jeu. Ouais. Donc, non, Milan aussi. Et si Milan aussi. Inter, j'ai jamais écouté Inter, j'ai jamais aimé Inter. Bye. Inter n'ont jamais été si wow que ça pour moi. Et AC Milan a toujours été une meilleure équipe selon moi. So, deux games. La manière que Inter joue, c'est vraiment. Il allow toute la possession. Exactement. Puis il te hit on the counter avec les ailes qui sont super rapides. Dumfries, Gosens, Barella. Puis après, t'as un gros attaquant qui peut stand up the ball. So, tu sais. C'est une manière de voir comment ils vont jouer, puis comment la game va commencer. Je pense que AC Milan va donner le coup au début pour essayer d'avoir un but d'avance, parce que si faut que tu joues behind, tu vas avoir de la misère contre Inter de Milan. Tu vas pas être capable de passer leur three-man defense avec Acerbi, Bastoni, puis Skriniard ou De Vrij. Mais voilà, je pense que cette game-là a fini de jouer, pas de mentir. Quand je les vois quand ils jouent dans des comme Coppa Italia et shit, les premières games, des fois les gars jouent vraiment défensif, ils veulent absolument pas accorder le premier but. Puis tu vois, l'affaire finit 0-0. Il n'y a pas de home field advantage, parce que c'est leur terrain. C'est ça. Puis là, rendu à l'autre game d'après, là, ils font un peu plus de. So, je pense vraiment qu'ils vont tellement pas vouloir prendre le premier but. Okay. Oh, gros but, ça là. Gros but. Ils veulent tellement pas prendre le premier but qu'ils vont juste jouer comme
prendre un feel pour la game, genre. So, je serais pas surpris que la game finisse 0-0. Si quelqu'un gagne, c'est 1-0. Je m'attends pas à avoir beaucoup de buts dans ce match-là. OK. Parfait. C'est d'autres choses? Non, that's it. So, last point, NFL. Juste une affaire, Deebo Samuel. Là, on voulait parler de Eagles. Mais oui! Deebo Samuel dit que qu'il déteste les Eagles, puis c'est l'équipe la plus détestée. Moi, ma question, c'était, est-ce que c'est vraiment les Eagles l'équipe la plus détestée de la Ligue présentement? Non. C'est bien les Cowboys, ça sera toujours les Cowboys. C'est vrai que c'est les Cowgirls, l'équipe la les plus détestée. Deebo est fâché parce qu'il a perdu, puis ouais, ils n'avaient pas de QB. OK, d'accord, mais c'est pas la plus détestée de la Ligue. Leur fanbase est trash. Wow! Hey. I'm just stating facts. Comment? Moi, je suis Eagles depuis way back. Ouais. Moi, je suis trash. C'est pour ça que le fanbase est trash. Yo, on est loyal. We loyal. You guys talk too much. Yes, we do. That's why you're the one of the most hated fan bases de la NFL. Yeah. Ça, puis les Cowgirls. Aïe. Moi, je n'ai pas de problème avec les Eagles. Là. On est respectueux quand même. C'est parce que Nicky est pas offensé par rien. Nicky est tout le temps neutre. Non, les Eagles sont. Yo, il parle pas tant que ça, dis. Nicky a tout le temps été Switzerland. Non, les Eagles, quand. On part qu'on win. Quand ils win, pour de vrai, ils sont là. On part qu'on win. Quand on perd, on est silence radio. On n'a pas un mot, on passe en deux. T'sais, en bachal. Mais qu'est-ce que tu fais avec les Eagles, c'est. Yo, tu viens chez eux, les gars, ils vont pas savoir qu'ils sont là. Les gars, on talk trash quand ils ont draft un D-line, bro, au draft. Ils étaient déjà en train de talk trash que c'était la meilleure D-line ever, blablabla. Ben yo, parce que t'as la D-line que t'as, puis tu laisses draft le meilleur D-line. C'est juste un draft, puis vous étiez en train de talk trash. Yes. Oui, parce que le reste de la team, le reste de la NFL est fucked up. Pourquoi tu laisses... Draft, c'est tout ce qui nous manquait. Le gars, ça se peut qu'il aille pas en jail, mais ça se peut qu'il y ait des affaires contre lui. Pas grave, bro. Ils vont faire un deal. Il va still pouvoir jouer, oui. Exactement. Il va still pouvoir jouer. À la fin de la journée, c'était probablement un des gars qui aurait pu être number one pick. Yep. S'il n'y avait pas des gars qui avaient besoin de QB. Ouais. Ils l'ont laissé descendre jusqu'au ego. Puis les Eagles, j'ai pas besoin qu'ils dérangent, là. Ils ont dit, ben, yo, tu peux même, t'as le temps d'apprendre. Yo, tu peux me faire un an en jail si tu veux. On a signé une bonne deal. Tu viens là, quand Fletcher Cox va prendre sa retraite. Yo, les gars, ils ont juste dit, comme vous êtes capable d'avoir laissé ce gars-là tomber à nous, c'est tout. Parce que c'est ça qui est plus parti. C'est la ligne défensive. Là, on a repris des pistes. C'est pour ça qu'on avait rien perdu. Non. Non, votre équipe est still good. Votre équipe est still good. So, ah, les gars, ils ont pris Swift. En plus. Yo. En plus. Yo. Non, les Eagles sont... We're back. We're back. We're still here. You're still here. Yeah. We're still here. Okay, you're still personne dans votre côté du bracket. Les Saints, I'm sorry. Oh! Mais maintenant qu'il y a... J'ai vu les Saints sont favoris pour faire gagner la division. J'étais comme... Ouh! C'est vrai? Ils savaient, ouais. Il reste plus rien de votre côté. C'est dead. Aaron Rodgers est parti. C'est dead. C'est dead. C'est qui votre compétition? Vikings. Les Niners encore. Niners, Vikings? Même pas les Vikings. Même pas les Vikings, bro. Ah, bye. Il y a une surprise. Une surprise. Je sais pas c'est qui, là, que je fais mes studies. On va voir, mais... Live. Les Cowboys. Ah, pas dit ça. C'est les Cowboys, non. Si vous êtes pour avoir la compétition, ça va être dans votre division. C'est vraiment ça. Parce que, à part les Niners, il y a personne qui va vous donner de la compétition l'année prochaine. Non. Alright, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Yes, sir. Alright, donc merci de nous écouter. Like, share, follow, subscribe. Merci encore et passez une bonne soirée.